C'est bien. Il y a du soleil et tout. C'est bien. Sont particulières, ne serait-ce que par l'environnement, le terrain synthétique, le stade un peu champêtre, et puis il s'est mis à pleuvoir, et puis un peu de vent, comme ça c'est complet. Voilà, pour autant, on a fait un entraînement, puis il y avait des bonnes choses, donc ça c'est intéressant. Demain on aura peut-être ça, mais de toute façon les conditions on les maîtrise pas, donc on est obligé de faire avec, et même de jouer avec, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a du vent, ben voilà, s'il y a de l'eau, ça veut dire que le terrain va fuser à mort. Donc dans le dosage des passes, dans la circulation, ça va être extrêmement important, la maîtrise technique. En sachant que le terrain est pas. Enfin il est aux normes forcément, mais il est peu large et peu long. Donc voilà, on a tout, je crois. Plus un adversaire qui sait jouer au foot, qui les îles Féroé, ça fait pas comme ça. Mais on a regardé des images, on a été très surpris en fait, la capacité à faire circuler le ballon collectivement avec 2-3 bons joueurs. Donc faut pas croire que c'est plié comme ça avant de jouer.